Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur N'en serait pas. Si vous êtes nouveau, c'est que vous n'êtes pas abonné. En dessous, c'est vous tous abonnés. Veuillez cliquer là-dessus. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour l'activer parce que ça va être chaud. Et quand on parle du football et du satanisme, même la magie du football, ah, mes frères et sœurs, ça fait peur. Ça fait même plus peur que peur. Et qu'est-ce qu'on voit? À la télévision, on voit des footballeurs jolis. Ah, ils sont jolis. On voit des footballeurs gentils. Ah, ils sont gentils. Il y a même du fair play. Oh, si tu m'as massé, je te laisse passer. Je suis fair play. Et il y a toutes ces histoires qui sont bien beaux, qui sont là devant nous. Et nous, on voit ça, on est content. Ah, c'est joli. Mais ce qui est étrange, c'est que hier, si on serait bon, nous avons découvert un témoignage puissant qui nous a révélé la face cachée du football, et là ça va être chaud. À la fin de cette vidéo apparaîtra, vous pouvez la regarder, franchement, vous serez dépassé. Qu'est-ce qu'on a entendu? Mes frères et sœurs, ce qu'on a entendu, nous allons tout vous raconter ici. Même si on ne peut pas tout vous expliquer dans une vidéo, il y a tellement de choses qui dépassent même la réalité. Nous devons quand même vous dire certains éléments qui vont permettre de vous réveiller un peu, ou encore de comprendre qu'effectivement, il y a quelque chose de grave qui est caché dans l'industrie du football que nous avons besoin de découvrir. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que l'industrie du football est considérée comme l'industrie la plus idolâtre de la planète? C'est-à-dire l'industrie où il y a de l'idolâtrie à 100%. Pour commencer, est-ce que vous y croyez? Ah, quelqu'un va dire, oh, c'est encore des histoires. C'est possible, mais regardons un peu. Number one, déjà, quand toi tu viens et que tu rencontres une équipe de football, qu'est-ce qui t'intéresse? Ce sont les joueurs. Tu vois les joueurs qui sont bien, qui sont beaux, qui jouent bien au football, ils sont forts. Ah, tu dis, j'aimerais ressembler à ce gars, il est joli. N'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. À un moment donné, là, il y a d'autres personnes qui disent que franchement, il est tellement fort, il est tellement beau que moi-même, là, j'ai envie d'être comme lui. Et j'aimerais faire tout ce qu'il fait. Et quand je ne le vois pas jouer, je ne me sens plus à l'aise. Du coup, cette personne devient une star pour cette personne. Un modèle. Quelqu'un qu'on suit. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Mais le problème ici est que, à un moment donné, ça devient une obsession. Il y a certaines personnes même qui se mettent à adorer le diable sans le savoir. Parce qu'il y a certains joueurs, malheureusement, qui ont décidé de faire des pactes avec le diable. Donc, quand vous l'aimez, automatiquement, c'est le diable lui-même que vous êtes en train d'aimer, d'apprécier. Comment c'est possible? Comment ça se fait? Nous allons vous le dire. Mais là, c'était le premier volet. Dans le deuxième volet, quand on parle de l'idolâtrie, vous allez comprendre. Vous allez voir qu'à un moment donné, une équipe peut gagner un match ou match de football. Il peut gagner une coupe, une compétition. Ah! Vous allez voir que quand l'équipe a gagné là, c'est en ce moment là que les gens vont se mettre à marcher et se diriger vers un endroit où ces personnes-là vont recevoir des récompenses. Et ce sont en général là, des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze. Bon, s'il y a d'autres médailles, il y a les souliers d'or, il y a les souliers de, je sais pas quoi, de Mathieu, il y a les souliers de Bécravat. Bon, les fans du football, vous allez tout nous dire, ceux qui connaissent un peu le football, qui savent comment ça se passe, expliquez-nous. Il y a les souliers d'or, toutes ces histoires. Mais, et il y a la Coupe du Monde, il y a les coupes. Quand les gens gagnent aussi, on leur donne des coupes. Mais que se passe-t-il en ce moment-là? En ce moment-là, quand ces gens-là reçoivent tous des coupes ou encore des médailles, des récompenses, la plupart du temps, ils prennent la médaille comme ça et puis ils regardent la médaille comme ça et puis ils disent « Oh, tu es joli !» Ils regardent la coupe et disent « Ah, tu es trop mignon !» Ce qu'il a tenté de faire là, ça c'est quoi? Ça, le savoir peut tenter de faire, c'est quoi? L'idolatrie. Oui. Tout ça, tu te bises à un truc, je ne comprends pas. Et quand il ne voit pas sa médaille comme ça, oh, c'est comme si je l'ai tué. Où est passée ma médaille? Oh, tu ne sais pas comment j'ai fait pour l'avoir. Et ce qui est étrange, c'est que peut-être vous n'avez pas vraiment, peut-être vous n'avez pas bien vu. Mais ce qui est étrange, c'est que il y a même certains drapeaux d'équipe où on voit des démons.
des démons qui y sont représentés. Sur le logo là, regardez bien. Il y a ce logo, mais tu vas voir un lion qui a une queue de serpent. Ah! Et bizarrement, nous on se pose pas la question de oh non, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça, on est juste là pour venir regarder le football, ça nous fait plaisir. Mais ce que tu ne sais pas là, c'est que si tu aimes l'équipe, tu aimes également le démon que les gens adorent. C'est-à-dire le démon là même qui a été envoyé pour travailler avec cette équipe. Parce que derrière chaque équipe, il y a un démon qui est là. Le football est vraiment compliqué. Il y a des choses qui sont vraiment cachées à ce niveau-là, que beaucoup de personnes ne regardent pas. Nous sommes là juste pour vous ouvrir les yeux, pour vous permettre de regarder un peu, de voir clairement ce qui se passe à ce niveau. C'est quoi un lion? Et qu'est-ce qui est censé représenter un lion avec une queue de serpent? Cet animal, cette créature que vous voyez là, je préfère l'appeler ainsi, cette créature que vous voyez là n'est pas une créature de notre monde. C'est-à-dire c'est une créature extraterrestre, si on peut le dire. Mais c'est une créature, on peut même être plus précis pour dire que c'est une créature du monde des ténèbres. En un mot, on peut dire que c'est un démon même. C'est un démon qui sera envoyé sur la terre lors de l'apocalypse. Des démons vont sortir de l'enfer, dans le domaine des ténèbres, et vont descendre sur la terre pour torturer les gens. Tout ça, c'est surtout dans les livres de l'apocalypse. Et ces démons-là sont déjà présents dans notre monde, dans notre siècle. Mais sous forme d'images, on les adore au travers des images. Il y a même des statues même. Oui. Et c'est en ce moment-là que vous allez voir que quand une équipe va être prête à entrer sur le terrain, c'est en ce moment-là qu'ils vont faire une marionnette ou encore... comment ça s'appelle là? Les poupées qui dansent sur les terrains là, comment ça s'appelle? Il y a un chien d'abattre commentaire, dites-moi. C'est-à-dire, genre, une poupée de cette créature qui se trouve sur les drapeaux là. Et cette créature-là, ils vont faire entrer cette créature-là comme ça sur le terrain. Et transporter cette créature-là, tout le monde va voir cette créature-là. En train de rentrer sur le terrain. Et les gens ne se disent, c'est-à-dire, les gens ne pensent même pas qu'il y a un problème. Ils ne se posent même pas la question de ça, mais... Pourquoi on fait entrer cette créature-là comme ça sur le terrain? Et cette créature-là est comme ça. Et c'est comme ça, tout le monde voit cette créature-là. Oh! Nous savons tous, nous avons même appris aujourd'hui que les démons aiment posséder les objets, y compris les statues et de telles choses. Le diable veut se faire adorer, donc pour se faire adorer, il imaginera toutes sortes de choses. Et ce qui est étrange, c'est que tous ceux qui vont apprécier cette équipe, et qui vont aussi apprécier l'entrée de cette créature qui est censée représenter le logo de cette équipe, ils seront tous en train d'adorer le démon qui est là, y compris le diable, et un démon qu'on appelle le dieu du football. C'est un démon, il est réel. Et lui, d'après les informations que nous avons reçues, on nous a dit que ce démon là, il se trouve en haut du stade et il tient un ballon. Quand une équipe marque et que les gens applaudissent dans le terrain, dans le stade, toute la gloire revient à lui. C'est comme si c'est pas l'équipe on l'applaudit. C'est lui on l'applaudit. C'est comme l'équipe est là juste pour être pilotée. C'est comme une marionnette. On les pilote comme ça sur le terrain. Ah, maqué, ça va être joli. Et toute la gloire monte jusqu'à en haut là-bas, vers ces démons. Et moi, je suis étonné. Je n'y croyais pas, mais c'est un témoin puissant qui nous expliquait avec plus de détails cette histoire. Moi, je suis étonné même. Même à vous raconter même là, ça me donne des frissons. Parce que si le football, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, je vais vous parler de quelque chose. Bon, chez nous, on ne joue qu'au football, donc c'est normal. C'est normal. Moi, j'étais un joueur aussi. Donc, je sais de quoi je parle. Je connais tout du football. Du moins, en fait, tout ce qui se passe sur le terrain. Qu'est-ce qu'on appelle de corner? Qu'est-ce qu'on appelle une simulation? C'est quoi un offside? C'est-à-dire un hors-jeu? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est Ronaldo? C'est qui Digbe Carabal? C'est qui Messi? Il connaît tous ces gens, tout le monde. Mais ce que je ne sais pas, c'est qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Et même hier, deux grands joueurs sont venus se confesser. Si on se répond, cette vidéo sera à la fin, vous allez regarder pour avoir plus de détails. Et ces deux grands joueurs ont dit que eux,
Franchement, ils jouaient au football et ils étaient vraiment des professionnels. Et à un moment donné, ils ont dû rentrer en contact avec des esprits pour pouvoir les aider à avoir du succès. Parce que sans ça, c'était un peu difficile pour eux. Donc chacun d'eux avait un féticheur. Et ce féticheur-là les dictait ce qu'ils devaient faire. Un jour, il y a l'un d'entre eux qui était allé jusqu'en finale. Et il allait voir le féticheur pour que le féticheur fasse son bagbadji. Ah, la magie dans le football, il a qu'à faire mon bagbadji. Ça n'a que marché. Et il est arrivé là-bas. Le féticheur a fait les médicaments, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et il lui a dit. Il a dit, vous allez, dans cette finale-là, vous allez faire match nul. Vous irez en prolongation. Et arrivé en prolongation, là, il y a quelque chose qui va se produire. Ce qui va se produire, c'est que tu vas prendre un but. Mais pour pouvoir arrêter les autres buts, il va falloir que tu fasses quelque chose. Il va falloir que tu enlèves tes gants. Lui, c'était un gardien de but. Il va falloir que tu enlèves tes gants, là. Et quand tu vas voir que quand tu vas enlever tes gants, tu vas réussir à bloquer deux buts, deux tirs. Et vous allez gagner ainsi. Et c'est exactement ce qui s'était passé ce jour-là. Et c'est exactement ce qui s'était produit ce jour-là. Il était même dépassé, il était même étonné. Ce témoignage est là. Peut-être qu'il y a certains éléments que j'ai oubliés, mais il va vous expliquer à la fin de cette histoire sera là. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonné maintenant. Cliquez sur la cloche pour activer parce que des choses bizarres comme ça vont venir encore signer ce bon. C'est comme ça se passe. Mais il faut qu'on vous révèle ce genre de choses parce que ça existe. Et il a même profité de cette belle opportunité pour dire que il y a certains joueurs qui ont dû faire des pactes avec le diable, même qui ont dû accepter le fait, c'est-à-dire qu'ils sont entrés dans la franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'ils ont même été recrutés par la franc-maçonnerie. Enfin, quand tu deviens célèbre, tu deviens connu, vraiment, tout le monde t'approche, y compris les sectes, pour que tu puisses entrer chez eux pour augmenter leurs points. Et ils ont de l'argent, ils ont la puissance. Si tu n'entres pas chez eux, ils vont te persécuter, ils risquent même de gâter ta carrière. Et cet homme-là, il a rencontré de tels problèmes. Ça l'a amené dans son pays, il n'avait pas de club où jouer. Et dans son pays, comme il était fort, ils l'ont appelé à l'équipe de sélection. Il devait jouer à l'équipe nationale. Ah! Et pour jouer là encore à l'équipe nationale, ils vont lui demander de faire un truc qui va l'étonner. Ils vont lui demander de tout simplement tuer quelqu'un, sacrifier quelqu'un, offrir à quelqu'un en sacrifice pour qu'il puisse tout simplement jouer à ce match. Donc pour pouvoir jouer là, j'ai besoin de tuer quelqu'un. On dit oui. Tout le monde doit envoyer quelqu'un en sacrifice ici. Est-ce qu'il a accepté? Est-ce qu'il ne l'a pas accepté? Ce qui est sûr, c'est qu'il a refusé. Il a refusé de tuer quelqu'un. Mais d'autres l'ont fait. Il y a même certaines personnes qui ont dû coucher avec leur propre mère pour avoir du succès. Ils ont couché avec leur tante, avec leur soeur. Les mères. Ils ont couché avec tout le monde. Rien que pour avoir du succès. Alors là, je suis choqué. Alors là, je suis dépassé. Et un jour, nous avons assisté à un match. Au départ, on n'y croyait pas. Toutes ces histoires qu'on nous les raconte, on pense que c'est de la blague. Mais un jour, hey, une équipe jouait contre une autre équipe. Et l'équipe adverse avait du mal à marquer l'autre équipe. Et parmi eux, il y avait quelqu'un quand même qui connaissait toutes ces pratiques mystiques qui se passaient autour du football, qui se tournaient, qui se déroulaient autour du football, même qui dans le football. Qu'est-ce que les joueurs sont prêts à faire pour avoir du succès, même pour gagner un match? Donc cet homme-là, il était là tranquillement et il réfléchissait sur comment il va faire pour marquer un but. Lui, c'était un attaquant. Et voici que pendant que il sera en train de jouer, il faut quelqu'un va tirer à un centre. Oh! Lui, la tête, il est fort de la tête. Il doit marquer forcément. S'il ne marque pas, c'est que ce n'est pas la peine, ce n'est pas lui. La tête. Il a pris de la tête. Il a tapé de la tête avec le ballon sur la tête. Ça devait entrer. Mais frère et soeur, il a senti que le poteau s'est déplacé. Il a senti que le poteau s'est déplacé.
Le ballon a tapé le poteau. Oh, ça devait matrer, ça devait entrer. Comment ça s'est passé? À un moment donné, il était tellement étonné qu'il allait auprès du but là-bas. C'est-à-dire autour du gardien du but. Il a bien regardé là où le gardien du but était arrêté là. Et c'est en ce moment-là qu'il va regarder tout simplement à terre. Et il va tout simplement voir un gris-gris, un fétiche à terre comme ça. Hein? Un fétiche fait quoi ici? Et dès qu'il a vu ça, il a pris le fétiche et il s'est mis à courir. Le gardien aussi est derrière lui. Ah, tu fais quoi avec ma chance? Avant ma chance, tu es mon ami, tu es vilain. Pour la boîte de courir, l'arbitre sur le terrain, il est aussi en train de regarder la scène. Mais que se passe-t-il? Celui-là, il a venu prendre un truc qui m'appartient. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? L'arbitre aussi, lui, ce n'est pas compliqué. Tout ce qu'il sait faire, c'est carton jaune ou carton rouge. Mon frère, c'est pas bien ce que tu viens de faire. Carton jaune. Il lui a donné un carton jaune, il a pris un carton jaune. Mais ne vous inquiétez pas, le bagbadji de ce gardien-là était gâté ici. Tout simplement parce que ils avaient réussi à prendre, ils avaient réussi à voir son fétiche et il avait touché, il avait pris et il avait déplacé, il avait enlevé de sa position. Quelques temps plus tard, le match a repris. On a oublié tout ce qui s'est passé. On commence à jouer. Ça n'a même pas fait 5 minutes. Ils ont encaissé un but. Quand ils ont encaissé un but, tous ceux qui ont filmé la scène, qui ont vu la scène là, ils ont dit, hein? Donc ce gardien de but, c'était un sorcier. C'était la sorcellerie qu'il faisait. Il voulait pas qu'on marque. Quoi? Mais ben j'hallucine ou quoi? Ils étaient tous dépassés, ils le regardaient comme ça. Ah, ça c'est qui ça? Comment tu fais? Ah, c'est quoi ça? Gars, donc il y a la sorcellerie. Mes frères et sœurs, c'est à ce moment-là qu'ils ont pu marquer et ils ont gagné 1-0. Sinon, sans ça, ils ne pouvaient pas marquer. Et ça, là, c'est l'une des réalités du football. C'est toi-là même qui parlait de cette histoire de pâte avec le diable. Il a même dit que pour avoir du succès dans le football, pouvoir marquer des buts, il s'est rendu avec un féticheur à minuit. Où? Si on vous dit qu'il s'est rendu au bar, dans un bar pour boire, il faut dire Dieu merci. Même si c'est mauvais. Si on dit qu'il s'est rendu chez une prostituée pour faire la chose, il faut dire Dieu merci. Même si c'est mauvais. Mais là où il s'est rendu, là, c'est nulle part. Ce n'est même pas là-bas. Ce n'est ni à l'église. Lui et le féticheur, ils se sont tout simplement rendus dans un cimetière. Et quand ils se sont rendus dans le cimetière là, à minuit, vous savez ce qu'ils ont fait? Les deux se sont assis sur une tombe. Et ils avaient chacun une coupe. À ta santé, mon pote. Ils étaient en train de boire un vin. Ah! Mais il y a laissé de quoi? À minuit. Et le rituel a commencé. Et chaque minuit, c'est ce qu'ils faisaient. Pendant 7 jours. Hein? Pendant que vous pensez que il est à la maison tranquillement et qu'il est en train de s'entraîner peut-être, lui, il est dans un cimetière en train de faire un bagbadji pour être fort. Et il y en a même d'autres qui vont même voir encore des féticheurs, pour pouvoir tout simplement se laver les pieds. Et c'est à ce moment-là qu'on lave les pieds. Oh, mes frères et sœurs, ils deviennent plus forts que forts. Sur le terrain, on aura l'impression que le ballon les colle au pied. On aura l'impression que le ballon est collé carrément sur les pieds. Et dès qu'il ne marque pas, le ballon ne peut pas lâcher les pieds. Il y a une soeur même qui a expliqué que elle a un camarade, c'est-à-dire son homme, son ami, son fiancé. Lui, c'est un footballeur, c'est-à-dire il jouait au football. Il était tellement fort qu'il a attiré le regard d'un entraîneur. Et cet entraîneur-là lui a dit que franchement, moi je veux vraiment t'assister et je peux même t'aider à atteindre une autre dimension dans le football. Et ce qui s'est produit, c'est que à un moment donné,
Ce coach-là lui a dit que pour pouvoir atteindre un niveau élevé dans le football, il a besoin de coucher avec lui, d'avoir des rapports sexuels avec lui, de le sodomiser. Ah! Cet homme l'a regardé comme ça, il lui a dit, mais moi je suis fort, j'ai du talent, j'ai du pouvoir, c'est-à-dire j'ai la compétence. Vous-même, vous le reconnaissez? Il dit, oui, je reconnais que tu es fort et que tu as des compétences, tu sais, tu as des gestes techniques hors du commun. Mais pour pouvoir atteindre le sommet dans cette industrie, il faut forcément que tu passes par la sauce. Il faut forcément que tu couches avec moi. Cet homme l'a regardé jusqu'à lui, il a dit, est-ce que vous avez bien dormi la nuit? Est-ce que vous êtes sûr que ça va bien dans votre tête? Non, ça va pas bien dans votre tête. Non. Il a laissé les parties parce qu'il ne pouvait pas l'accepter. Mais comme des personnes ont refusé, il y a beaucoup de personnes qui ont accepté. Mais quand tu acceptes cette histoire, ça tourne toujours mal. Il y a des pactes avec le diable qui sont signés. Même dans le football. Tu vas arriver dans l'équipe nationale, dans cette équipe de football. Dès que tu arrives là, on te dit, oh mon frère, tu es joli, tu es fort, oh tu es beau. Viens, on va jouer ensemble. À un moment donné là, vous allez aller en boîte, vous allez aller boire. Et là-bas, ils vont commencer à te parler des choses que tu dois faire. Ou encore des choses que toute l'équipe pratique. En fait, c'est un rituel. Que toute l'équipe de football met en position à un moment donné pour pouvoir gagner un match. Les gens peuvent dire que il y a la corruption dans le football. C'est possible. Mais aussi, il y a des babadis, il y a des sorts qui sont lancés sur le terrain. Et c'est à ce moment-là que cette équipe va aller voir un féticheur pour que toute l'équipe soit ensorcelée, soit envoûté, soit magnétisé. Oui, ils auront de ces choses bizarres pour leur permettre de gagner un match. Et ce jour-là, il faut tellement bien jouer que vous-même vous serez dépassé. Mais Dieu sait ce qu'ils ont fait. Un jour, une équipe africaine qui allait jouer, qui allait voir Babadi dans un village, c'est-à-dire qu'il allait voir un féticheur dans un village pour que ce féticheur-là, cet homme mythique, puisse tout simplement faire quelque chose pour qu'il gagne à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique. Et quand ils se sont rendus là-bas, ce qui s'est passé, c'est que cet homme a dit qu'effectivement, ils vont gagner à la prolongation, c'est-à-dire au tir au but. Voilà, au tir au but. Et c'est au tir au but qu'ils ont réussi à gagner. Mais ils devaient offrir quelque chose à ce féticheur-là, c'était leur sacrifice. Après avoir gagné, ils ont oublié de le faire. Et ça datait de très longtemps. De vraiment très très longtemps. Après avoir gagné cette coupe, ils n'ont plus gagné de coupe jusqu'à ce que leur génération passe. Et la génération qui est venue là, eux, elles aussi, elles avaient le même problème. Elles avaient du mal à gagner. Et ce féticheur-là, lui, il avait confié ce problème-là à ses esprits. Et il a dit à ses esprits que tant que eux, cette équipe nationale-là ne vient pas payer les prix, ils ne vont jamais gagner une coupe encore. Et depuis ce jour-là, bizarrement, cette équipe-là ne parvenait même pas à gagner un match. Malgré dès que cette équipe avait les joueurs les plus grands de ce monde, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Europe. Des joueurs les plus forts. Mais à la finale, le joueur le plus fort de la planète, dès qu'il arrive devant le but, même tir au but, face à face au gardien, comme ça devient mystique maintenant à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il prend le ballon, il est face au ballon. Aïe. Est-ce que Messi peut rater un but? Est-ce que Drogba peut rater un but? Est-ce que Eto'o peut rater un but? Mais ce jour-là, ils vont rater des buts. Parce qu'il y a la Gbagbadi dedans. Le féticheur a attaché le pied, il a attaché le ballon. Dès qu'il se prépare à tirer net. S'il tire là, soit le ballon va hors du but, mais en tout cas, ça ne va pas entrer. Sinon, ça va aller en haut. C'est ce jour-là que tu vas voir que ce joueur-là, au lieu de tirer à proximité du but, ou encore dans le but, ou encore de marquer un but, il va tirer et ce ballon-là
barre aller en haut, ça va dépasser le poteau là, et dimension que toi-même tu as pensé que c'était un oiseau qui était de s'envoler. Et tu seras même étonné, et tu seras même surpris, tu vas te demander, mais c'est quoi ça? Il a marqué combien de buts la dernière fois, mais qu'est-ce qui se passe? Max, c'était depuis tant, c'est même c'est fini, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu as mangé? C'est à ce moment-là, j'ai dit que il n'avait pas bien mangé. Ce jour-là, il n'avait pas bien mangé. Mes frères et sœurs, nous allons vous dire qu'effectivement, c'est ce qui se passe. Il y a la magie dans le football, le diable dans le football. Il y a des choses vraiment graves comme ça qui se produisent. Et si nous faisons cette vidéo, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, si vous êtes un grand fan de football, c'est bien. Mais réfléchissez bien. Quand on vous dit qu'il y a un démon qui reçoit toute la gloire, là, ça veut dire que le diable est en train de se faire adorer sur votre dos. Et vous devez vraiment voir, vous devez vraiment découvrir qui est caché derrière vous, derrière cette équipe que vous êtes en train d'aimer, de kiffer, d'apprécier. Et regardez bien les drapeaux. Y a-t-il un démon qui est là sur les drapeaux? Surtout les drapeaux des clubs, les clubs en général. Les clubs en général, on peut voir de telles choses. Et vraiment, c'est grave, mes frères et sœurs. C'est vraiment grave. Quand nous avons reçu ce témoignage, franchement, moi, j'étais dépassé. Hein. J'étais franchement étonné. Je disais, moi, j'aime le football. Je joue beaucoup au football. Je suis obligé d'abandonner certaines choses par amour pour Dieu. Et c'est ce jour-là que j'ai pris la décision même de supprimer tous mes jeux de football. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis plus intéressé. Néanmoins, quand je vois des joueurs, quand même, je me dis, quelles sont les choses que ces gens ont traversées par eux jusqu'à ce niveau? Parce que même pour arriver au niveau le plus haut, le niveau le plus élevé, pourquoi on parle de toi? Tu es obligé de passer par certaines choses. Et le diable vient se présenter maintenant à toi pour te dire, mon frère, mon ami, tu es joli, mais tu es joli et tu es fort. Mais si tu veux arriver à ce niveau, c'est moi que tu dois voir d'abord. Et il y a plein de personnes qui acceptent, qui signent des pattes avec le diable. Même qui sont obligés de faire des sacrifices. Même de boire le sang des animaux. Pour pouvoir avoir la force. Renouveler les forces spirituelles, les bagbati, pour avoir du succès toujours dans le football. Et c'est pas facile. Ces gens ont besoin que Dieu les délivre, les aide. Ces gens ont besoin que Dieu intervienne à leur faveur. Et c'est à ce moment-là, nous avons vraiment besoin que Dieu nous aide. Et c'est à ce moment-là, nous avons vraiment besoin que Dieu vraiment intervienne à leur faveur. Si tu aimes vraiment ton joueur préféré, prie pour lui. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont déjà des sorciers. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà ancré même dans le satanisme. Nous avons vraiment besoin que Dieu nous aide. Que Dieu les aide beaucoup. Que Dieu nous aide beaucoup. Que Dieu vienne à notre secours. Quand il y a un match de football comme ça, et puis vous voyez un féticheur là, ou encore un homme qui est habillé, qui est peint en blanc, et tu sens qu'il y a des gris sur lui, tout ça, il n'est pas là pour rien. Il est là pour faire quelque chose. Et sa simple présence est censée montrer que le diable est présent là. Et toi, qu'est-ce que tu t'as dit? Et ce qui est étrange, c'est qu'un jour, un collègue youtubeur aussi a travaillé ce dossier. Et il a tout simplement révélé que... il y a des choses bizarres qui se sont produites un jour sur un terrain. Un jour sur un terrain. Il y a eu des problèmes. Les deux équipes ne sont pas entendues. Et ce jour-là, quelqu'un ne sait pas où les quitter. Sur le terrain, il avait un couteau. Tenez-vous bien, ça va vous choquer. Et il s'est levé de nulle part avec son couteau et il a décapité un autre joueur. Nous ne pouvons pas vous montrer ces images ici. Ça fait tout, c'est pas joli quand même. On ne peut pas vous le montrer. Mais allez sur Internet. Vous allez chercher. Et il y a d'autres joueurs sur le terrain. Ils sont morts de façon anormale. Un jour, sur le terrain, il y a un joueur, il était de jouer tranquillement. Ils ont lancé un ballon sur lui. Mes frères et sœurs, le ballon l'arrive sur lui. Il doit l'amortir.
La moitié sur la poitrine, comme ça, toi la moitié sur la poitrine. Mais ce jour-là, il a, ça dit, le ballon venait vers lui. Et il a commencé à pirouetter. Il tournait comme ça sur lui. Il tournait comme ça sur lui. Et le noir qui est de ses yeux a commencé à monter. Il partait. Au moment où il se rencontre là, c'est comme si quelqu'un serrait son cou et l'a projeté derrière comme ça. Dès qu'il se relevait, il bougeait. Oh, mes frères et sœurs, la scène était horrible. Et cet homme est mort sur place. Et les gens disent quoi? Les gens disent, ah, mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? C'est l'épilepsie. C'est comme ceci. Or, cet homme avait déjà signé un pacte avec le diable. Et ce pacte-là stipulait qu'à un moment donné, il meurt sur le terrain. Et il est mort, mais ça s'en rend compte. Il ne s'y attendait même pas. Il était chaud sur le terrain. Mes frères et sœurs, que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Prenez soin de vous. Parce que Dieu est vivant. Vous avez besoin de découvrir certaines choses. Il y a certainement une partie 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer cette partie. Parce que ça va être chaud. Sûr? N'en souriez pas. Voilà. Prenez soin de vous, les frères et sœurs. Que Dieu bénisse.